Les travaux de construction des trois auditoires modernes de la faculté de médecine de l'université de Colusie se poursuivent sans désemparer. Des moyens importants ont été mis à la disposition de l'entreprise à pied d'œuvre afin de terminer ces travaux qui s'effectuent sur une superficie de 17 500 m². Ces auditoires auront chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. On a 11 blocs ici. Là, juste ici, à côté de nous, ce sont les auditoires. On a trois auditoires, des 200 étudiants par auditoire, avec des toilettes juste là à côté, toilettes hommes et femmes. Et s'ils étudiaient matin et soir, ce qui fera 1200 étudiants par jour. Ces projets réalisés par l'honorable Fifi Masuka Saini sous l'impulsion du chef de l'État visent à garantir l'avenir de la jeunesse de la province du Lualaba. Juste à côté, un autre chef-d'œuvre prend forme. Il s'agit du bâtiment qui abritera la clinique universitaire moderne. Et il sera constitué d'un bâtiment administratif, d'un bloc opératoire, d'une maternité, d'un laboratoire, d'un bloc pour la médecine interne et externe, avec une capacité d'accueil de 100 patients. Ces travaux sont déjà exécutés à plus de 60%, a confié la chef des chantiers. En fait, tout le bloc sera construit au rez-de-chaussée. À part un seul bloc qui est le 4, bloc opératoire. Celui-là, il sera R plus 1. Le plus 1, là, sera pour la pratique des étudiants. Ça sera un mur de rideaux, de vitres au-dessus, les plus 1, là, le R plus 1. Et les étudiants peuvent faire leur pratique en direct. Au-dessus de la salle d'op, ils peuvent voir ce qui se passe directement dans deux salles d'op. Fifi Masuka Saini est déterminée à consolider les acquis du président Tshisekedi dans les secteurs éducationnels. Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Les travaux de construction de trois auditoires et d'une clinique universitaire de Colwesie. Imo Motivation va brosser brièvement le portrait de Fifi Masuka Saini. L'actuel vice-gouverneur de la province de Lualaba est derrière ce projet de construction de trois auditoires et d'une clinique universitaire à la faculté de médecine de l'université de Colwesie. Fifi Masuka Saini, née le 10 mars 1967 dans la province du Katanga, actuellement au Katanga, en République démocratique du Congo. Elle est une femme politique congolaise, RDC, élue autrefois députée nationale de la circonscription de Lubumbashi et vice-gouverneur de la province de Lualaba. Elle est l'actuelle gouverneure intérimaire de la province de Lualaba. Fifi Masuka Saini est née le 10 mars 1967, elle est l'avant-dernière d'une famille de 6 enfants, et la fille de Saini Kazanji, conducteur de taxi, et d'Yvonne Kachala, vendeuse de poissons fumés au marché. En 1992, Fifi Masuka Saini obtient un diplôme de licence en sciences économiques à l'université de Lubumbashi, UNILU, dans la province du Haut-Katanga. Elle est cofondatrice de la société BM Metal Corporation, spécialisée dans les domaines miniers et de construction. En 2006, elle est membre du parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC, et est élue députée nationale au nom de ce même parti. En 2010, elle fonde son propre parti politique, le Front des indépendants démocrates chrétiens, FIDEC. En 2011, elle est réélue députée nationale dans la circonscription de Lubumbashi. Elle est nommée le 29 octobre 2015 par le chef de l'État Joseph Kabila commissaire spécial adjointe dans la province du Lualaba, puis, le 26 mars 2016, elle devient vice-gouverneure de la province du Lualaba. Thank you.
Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à Immo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.